Invitez-vous à l'ouvrir la Bible avec moi, Frère Maxime, dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Il y a un verset que nous connaissons très très bien. Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, qui dit: parce que ce n'est pas avec le monde que nous avons pour nous goûter, mais c'est avec mauvais l'esprit qui est dans le ciel là, avec chef, avec pouvoir, avec autorité qui a gouverné dans le fait noir qui est sous la terre. Amen. Adorable Père Saint Jésus, Papa qui est dans le ciel là. Nous glorifions, nous magnifions, nous même qui est seul vrai Dieu. Nous disons merci Père pour parole. Et nous demandons autant prie béni parole ça. Et permettez à ce que chaque petit ou qui l'a, joigne un mot. Un mot qui pour guérir, un mot qui pour libérer, un mot qui pour délivrer, un mot qui pour transformer. Et nous va glorifier. C'est comme ça que nous prions Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont avec nous, tous les frères qui sont avec nous. Nous saluons tous les combattants qui sont là. Évangéliste Myriam, nous saluons toute l'équipe là. Que grâce et paix, bon Dieu, avec nous. Nous disons, bon Dieu, merci pour jouer ça, mes bien-aimés. Et sans plus tarder, en nous gardant qui ça, le Seigneur voulait dire nous à travers Éphésiens chapitre 6, le verset 12, aujourd'hui. Car il dit parce que c'est pas ak moun nou gen pour nous goumen, mais c'est ak mauvais l'esprit qui dans ciel là, ak chef, ak pouvoir, ak autorité qui a gouverné dans fait noir qui sur la terre. Et message moi pour aujourd'hui a, c'est suspendre goumen ak moun. Suspendre goumen ak moun. Alléluia. Suspendre goumen ak moun. Car mes bien-aimés, mauvaise compréhension que nous gagnons de épreuve que n'a fait face à eux-mêmes. Difficulté que n'a fait face à eux-mêmes, épreuve que n'a traversé yo, souffrance que n'a enduré yo, une mauvaise compréhension de ça, eh bien, li pral fait que ou pas capable faire face. Ou pas capable faire face à épanouissement, ou pas capable épanouir spirituellement. Parce que sou pa gen une bonne compréhension de épreuve que ou a enduré yo, eh bien, les représenter un danger pour épanouissement spirituel. Une mauvaise compréhension de réalité ça. Parce que épreuve yo faut qu'on comprenne ni bien, faut qu'on une bonne compréhension de épreuve yo, faut qu'on une bonne compréhension de souffrance qu'on va endurer yo, faut qu'on une bonne compréhension de réalité ça yo pour capable pour pas représenter un danger pour vous, pour épanouissement spirituel. Car le Seigneur voulait qu'on épanouit. Le Seigneur voulait qu'on grandisse, le Seigneur voulait qu'on développe, le Seigneur voulait que on change phase, le Seigneur voulait qu'on change étape dans ces villes, dans vie spirituelle où le Seigneur pas voulait que on rete à l'état mort, il pas voulait que on rete stagnant, il pas voulait qu'on rete en place, faut qu'on bouge. Et c'est ça que fait mes bien-aimés, l'on a considéré qui est-ce qui est ennemi. C'est là nos péchés. Qui est-ce qui ennemi on? Qui est-ce qui adversaire? À qui moun ou ap goumen? C'est là ou pral comprendre qui moun ou choisi pour goumen avec. Qui moun ou choisi, qui moun ou déclaré ou dit un tel c'est ennemi, un tel c'est adversaire. Est-ce que c'est frère là? Est-ce que c'est sœur là? Est-ce que c'est mari ou? Est-ce que c'est madame non? Est-ce que c'est une famille ou? Yon zami, yon voisin, yon collègue de travail, qui est-ce? Ou déclaré ou dit, la persécuté ou, la calomnie ou, la maltraité ou, la joué ou, la fait tout bagay sou ou. En gade ça, la Bible dit clairement, mes bien-aimés. Il dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, il dit, soyez sobre, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Mais bien aimé, depuis la création, eh bien, qui est-ce déclaré qui ennemi nous? Le diable. Avec tout démon lio. Avec tout démon lio. Les utiliser moun pour accomplir mauvais dessein lio. Les utiliser moun pour accomplir vieille mission que le gagne yo.
li servi ak moun, li servi avec des humains, li servi avec des moun pour atteindre objectif li, pour exécuter mission. Parce que yo que ki vidéo, que ki sans Jésus yo, moun ki pa gen Christ dans la vie yo, et bien moun sa yo c'est première cible. Moun sa yo c'est premier canal pour li. C'est premier monde, c'est premier agent, c'est premier canal de distribution que l'a gagné. C'est moun sa yo. Parce que li pral manipuler yo, il pral faire de yo des agents de destruction. La paix bon Dieu avec yo. Li pral faire de yo des agents de destruction. Alléluia. Donc en effet mes bien-aimés, je dis à pour comprendre, ou pral comprendre réalité ya, c'est que pour détruire œuvre bon Dieu ya, et ben qui ça malin en fait? Pour détruire œuvre bon Dieu ya. Tendez bien oui, la Bible relève clairement le diable, li relève Satan, li organiser mes bien-aimés. Li pas été comme ça. Li pas fonctionner en graine 5. Li pas fonctionner en graine 5, li organiser. Donc pour atteindre objectif li, faut-il bien que le structurer, faut-il bien que l'organiser et li organiser mes bien-aimés. Parce que job li c'est opposé à l'esprit bon Dieu. C'est opposé à l'esprit saint de Dieu. Donc qui ça le fait? Li élaborer structure li camper mes bien-aimés en esprit avec des esprits méchants. Jean Éphésiens chapitre 6 verset 12 dit nous là, li dit nous clairement c'est ak mauvais l'esprit mes bien-aimés. Li bien dit c'est pas ak moun nous gen pour nous goumen. Ça que nous d'aujourd'hui a suspend goumen ak moun. Suspend goumen ak frère, suspend goumen ak sœur, ou pa gen problème ak frère là, ou pa gen problème ak sœur là, suspend goumen ak moun, mais ak qui est bataille là ap mené? Li dou c'est ak mauvais l'esprit, c'est contre moun sa yo, c'est contre ça. C'est ak mauvais l'esprit qui dans ciel là, ak chef ak pouvoir ak autorité k'ap gouverner nan fè noir qui sous la terre. Merci, meni, mais à qui est soit bataille. Et il existait, attendez bien, la Bible dit, dans les lieux célestes. Et yo gen pour refuge. Yo existait dans les lieux célestes, mais yo gen pour refuge, ça veut dire que yo gen pour demeure. Côté yo habiter, c'est dans quel homme. Alléluia. C'est dans quel homme yo prend logement. C'est dans quel homme yo habiter. Donc objectif yo c'est qui ça? Objectif yo c'est détourner namou. C'est détourner nam l'homme pour utiliser afin payo. Pour détourner yo, pour le retirer yo dans plan bon Dieu et pour le faire marcher dans plan pal là. Et ça fait yo vini sous plusieurs ordres. Yo de plusieurs ordres. Yo vini sous différentes formes. Yo vini sous esprit jalousie, yo vini sous esprit haine, yo vini sous esprit vol, yo vini sous esprit alcool, yo vini sous esprit mensonge, yo vini sous esprit vampire, division, querelle, séduction, toute qualité mes bien-aimés, yo prend toute forme, yo vini sous colère, yo vini sous convoitise, etc. Yo prend toute forme. Donc c'est là où même faut qu'on est. Donc et yo organisé, yo solidaire. Mal là mes bien-aimés, moun ka fonctionner dans mal, yo entend yo. Ça paraît tout bizarre. Ça son effort dans oreilles aujourd'hui a. Ou pas le monde qui a fait mal, yo entend yo mes bien-aimés. Monde qui a fait mal, monde qui n'a péché, monde qui a fonctionné dans péché, monde qui a fonctionné dans mal, yo entend yo bien, yo très solidaire parce que malin est solidaire. Mauvais l'esprit a solidaire, esprit méchant yo solidaire et yo travaille en collaboration mes bien-aimés. Et ça faut pas le constater par exemple. Que esprit de haine, ou pral wè, esprit de haine, qui ça le fait? Li collabore avec esprit jalousie. Parce que tout côté ou wè de haine, ou ap jwenn jalousie. Tout côté ou wè haine ap mache, ou ap jwenn jalousie. Parce que yo collabore, esprit haine nan mache avec esprit jalousie. Ya. Li mache tout avec l'esprit colère. Ou pral wè, esprit séduction, hein? Li collaborer, li marcher avec esprit convoitise là. La paix bon Dieu avec vous. Et ça fait la parole de Dieu faut qu'on ait. Dans Matthieu 12, sorti dans verset 43 pour arriver dans verset 45 là, il dit où lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.
il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Entendez, il entre dans la maison, s'y établit et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Merci Seigneur. Je dis à frère Semyo, pas surpris, pas vle prendre coup surprise pour constater que du jour au lendemain frère l'a détesté ou sans que ou pas connait raison véritable là ou pas connait pour qui ça du jour au lendemain ou elle pas toléré ou elle pas vle ouais ou pas vle prendre coup surprise non l'impossible mes bien-aimés. Je dis matin ou t'es bien propre avec elle à soya ou elle change avant oui ou elle change avant oui demain matin ou elle son l'autre monde qui parle avant oui ou t'as parlé avec bien propre la veille et pour elle le lendemain ou elle change li change sous ou ou dit c'est pas même monde ça qui passé qu'elle recevoir un esprit de haine qu'elle recevoir un esprit de jalousie alléluia. Qu'elle recevoir yon esprit, mes bien-aimés, de rancune. Et qui vient faire que changer. En pile mariage, mes bien-aimés, en pile foyer écrasé, à cause de qui ça? À cause de l'esprit de séduction. En pile foyer écrasé. Ça fait jodi a mwen vin di ou, suspend goumè ak moun. En pile mariage écrasé comme ça, à cause de l'esprit de séduction qui habitait dans cœur ti jeune fille yo, dans cœur jeune yo, et qui voyait yo en mission pour séduire mari moun. Et détourner cœur yo de l'amour yo et même j'entends yo voyé yo à séduire Mario yo détourner cœur yo de l'amour yo gagné pour madame yo et puis mais comment yo tombé dans séduction pas donc question de monde qui font non pas donc question de monde qui font non mais bien aimé son question de comment camper son question de qui compréhension qu'on gagné de tentation qui compréhension qu'on gagné de ennemi hein. Qui compréhension qu'on gagne de adversaire, qui compréhension qu'on gagne de ennemi. Hein? Et c'est peut-être ça, mes bien-aimés. L'important, je dis, nous voulons connaître responsabilité nous vis-à-vis, une vis-à-vis de l'autre. Ou bien pour veiller une sous l'autre. La Bible dit, c'est pour nous veiller une sous l'autre. Au lieu que vous plaignez pour frère, au lieu que vous critiquez frère, au lieu que vous parlez le mal, au lieu que vous shooter sous lit, vous crasez, vous balcoutez langue, ou plaignez, ou passez temps pour critiquer. Je dis à moi, je viens de dire, priez pour lui. Soumettre cœur moun ça, by Seigneur. Pour Seigneur capable de délivrer de esprit méchant ça cap manipuler là. De esprit méchant ça cap commander là. Soumettre lui, by Jésus. Jésus, qui ça te fait, mes bien-aimés? Il pas critiquer Pierre. Il pas parler Pierre mal avec l'autre disciple. Il pas shooter sous lui. C'est le prier, il te prier pour Pierre. Parce qu'il te connaît. Satan te réclame Pierre. Il descend dans la prière pour Pierre. Responsabilité moi-même avant aujourd'hui. Nous avons Pierre dans le groupe là. Nous avons Pierre dans tout côté, dans toute communauté. Nous avons gagné. Mon cœur est mis à manipuler. Il a manipulé, mes bien-aimés. Ce n'est pas critiquer pour nous critiquer. Ce n'est pas shooter pour nous shooter sur yo. Mais c'est pour nous prier pour yo. Ce n'est pas eux-mêmes. C'est l'esprit qui a manipulé, qui fait, ouais, son vent division. Qui fait, ouais, c'est shooter, shooter. Y'a goumé yon ak l'autre. Y'a parlé mal yon sous l'autre. Ou y'a fait médisance. Ou y'a fait calomnie. Ou y'a shooter sous moun. Ou y'a parlé moun mal. Y'a critiqué matin, midi, soir. C'est l'autre là qui fait ça, qui prend commande que yo et meni li mène yo là. Ou même so fait, ou fait même ça Jésus-Christ te fait, ou al nan la prière pour yo. Ou soumet que yo. Parce que c'est cœur qui habité par l'esprit méchant et ou soumettre cœur à by Seigneur pour Seigneur délivrer de l'esprit méchant qui commandait. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Notez ça mes bien-aimés. Mais j'ai prié pour toi. Attendez pour qui ça? Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, attendez bien, ça Jésus, dit Pierre, quand tu seras converti, alléluia, quand tu seras converti, affermis tes frères, affermis tes frères, quand tu seras converti, ça veut dire mes bien-aimés, il dit Pierre, l'on changé, l'on vit l'autre mouvement, l'on transformé,
ou ap gen responsabilité pour affermir si la yo frère ou yo si la ki faible dans la foi yo mais responsabilité aujourd'hui a suspend goumen ak moun mare ceinture tout se pourrait tout prend responsabilité ou dans groupe là prend responsabilité ou dans famille là prend responsabilité ou dans congrégation prend responsabilité ou dans l'église là mare ceinture tout se pourrait tout et soutenir une l'autre supporter une l'autre veiller une sur l'autre suspend goumen ak moun en d'autres termes kembe lan pour l'humain marcher tout l'humain kembe lan pour l'humain rete éveillé afin que ou prier c'est pour briller tout côté passé parce que mes bien-aimés ou pas doué attrister cet esprit par mauvais comportement lorsqu'on pratique insulte ou pratique calomnie ou craser cet esprit dans vous ou vient empêcher cet esprit faire œuvre alléluia ou vient empêcher l'agir dans vous-même parce qu'on craser le cet esprit a opéré dans vous il neutraliser tout esprit méchant. Il neutralise tout esprit qui pas de nature à glorifier le nom de Dieu. Et il permet tout atteindre capacité mes bien-aimés pour servir bon Dieu. Et il permet tout libre tout capacité tout pour appréhender esprit impur ça yo et pour anéantir action dans la vie yo et dans la vie proche yo. Je dis à frère Samuel, le Seigneur mande yo suspend goumen ak moun. Suspend goumen ak moun. Pas craser frère là, pas craser sœur là, pas craser prochain, pas craser voisin, pas craser pasteur, pas craser collègue, pas craser petit ou pas craser frère, pas craser famille, pas craser ennemi, pas craser moun ka parle mal là, pas craser. Priez pour lui parce que c'est manipuler esprit méchant manipuler. Remettre cœur by le Seigneur. Suspend garder, suspend goumen ak moun parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est avec eux. Je dis à frère Samuel, suspend goumen ak moun. Suspend tirailler, suspend discuter, suspend faire vieille discussion vaine qui ne va mener aucun côté. Remets prochain. Remets prochain. Et je dis à attaquer plutôt l'esprit qui a manipulé là au lieu qu'au goumen avec. Attaquer l'esprit qui a manipulé là. Parce que bon Dieu, remet pécheur, mais il déteste pécheur. Je dis à frère Samuel, mande bon Dieu, pour le bon capacité, en tout temps, pour soumettre que frère, que soeur qui a parlé au mal là, qui a parlé au mal là, bali, afin que il soit capable de délivrer au nom puissant de Jésus.